Le président tunisien Bojik Edessepsi a été transporté à l'hôpital après avoir souffert d'un grave malaise, affirment des responsables. Il est devenu président de la nation nord-africaine après avoir remporté les premières élections libres en 2014, à la suite du printemps arabe dans la région. La Tunisie en alerte face à la crise en Libye. En Tunisie, le pèlerinage juif de la Griba pour relancer le tourisme plus tôt cette année, il a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections prévues en novembre, disant que quelqu'un de plus jeune devrait prendre la relève. Depuis lors, la Tunisie a été saluée comme la seule démocratie issue des révolutions du printemps arabe. Toutefois, ces dernières années, le pays a subi les attaques des islamistes et des problèmes économiques, le chômage étant un problème persistant.